On a toujours l'impression qu'on est un petit bébé avec toi. Non, c'est pas pour ça. C'est parce que je me demandais des fois quand vous sortez comme ça, parce que quand vous êtes à l'hôpital, ils vous donnent des médicaments, puis en fin de semaine, ils doivent vous en donner aussi, pour rester calme. Vous devriez t'asseoir plutôt, là, avec les autres tranquillement, puis prendre un verre. J'ai pas le goût de m'asseoir. Ce que je veux voir, c'est les enfants. Mes enfants sont bien. Pourquoi tu te reposes pas? Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qui va pas? Laissez faire. Je vais aller chercher les enfants. Je peux même les téléphoner à l'hôpital, voir des fois. Ben oui, t'es bien mieux. Hello? Est-ce que je peux parler au docteur Simard, s'il vous plaît? Oui. Il est pas là. Non, on peut pas lui parler. C'est parce que ma femme, là, est en congé de fin de semaine. Madame Girard. Oui. Oui. Puis, elle voulait absolument voir ses enfants, qu'est-ce qu'il faut faire. Puis, elle veut pas se calmer. OK. Puis, si ça fait pas... OK. OK, merci. OK, bonjour. Bon, ils ont dit que si on ne voulait pas se calmer, d'aller la rapporter à l'urgence, à l'hôpital. Puis si ça ne fait pas, bien, d'appeler la police. Ça ne peut être pas encore opéré. Ça fait que, qu'est-ce qu'on fait? On l'attend qu'elle revienne? Bien, sûrement, parti pour une marche, tu te connais, t'sais. Moi, je reste très loin, là. Mais pas d'auto, en autobus, là. En tout cas, moi, j'ai mon ouvrage. J'ai cherché de l'ouvrage toute la semaine. C'est ça, c'est... Oui, c'est pas de ta faute, ça. C'est une maladie, ça. C'est ça, c'est ça. Ça va passer, mais elle veut pas. C'est comme ça, elle, quand t'étais jeune, comment est-ce qu'elle était chez... Quand j'étais jeune... À la maison, là. Peut-être que c'est une naissance. Peut-être que c'est une maladie qui se développe. Je sais pas, ça. Mais il me semble qu'elle était moins pire que ça. Elle était moins pire que ça. Ben, pas ça. Ah, je sais pas, moi, je fais qu'est-ce que je peux. Très bon, excellent. J'étais enragée. Comme j'ai jamais pu être enragée quand mon mari avait cette attitude-là. L'attitude de me traiter là, comme une malade. Oui. Puis là, j'ai été capable d'avoir la colère saine que j'aurais dû avoir quand c'était le temps. C'est-tu un fâché, au lieu de me déprimer. Hein? C'est-tu un fâché, Lisa, quand ils viennent te dire « As-tu pris tes médicaments? » Ils disent ça d'un petit air, tu sais. « As-tu pris tes médicaments? » Oh, c'est un colis. Oh, j'hésite. C'est vraiment énorme.